Salut tout le monde, c'est Pagès, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Ben, je vais vous parler rapidement de ma tondeuse. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte. Alors, ce qui est fourni, c'est un petit sac de rangement pour les petits accessoires qu'il y a de barbe. Ensuite, là, c'est un sabot pour le corps. Et là, il y a des sabots en fait pour les cheveux. Bon, là, c'est le chargeur. Alors, ça, c'est juste pour faire les petits détails sur votre barbe ou dans les contours pour la barbe. Là, c'est pour le nez. Et voilà la tondeuse. Alors, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, quand je l'ai déballé, il y a plein de petits accessoires. Alors, je vais dire les points, les bons points, les mauvais points pour moi. Alors, par rapport, en tout cas, à mon autre tondeuse que j'avais, les bons points, c'est qu'elle a une meilleure autonomie. C'est qu'elle a 80 minutes d'autonomie. Elle marche sans fil, mais si on la branche, elle marche aussi. Parce que la tondeuse que j'avais avant, ça veut dire qu'elle marchait seulement... En fait, le câble, il servait seulement à la brancher, quoi, pour la charger. Mais tu pouvais pas la brancher et l'utiliser branchée, quoi. Donc ça aussi, c'est bien. Sinon, elle est étanche. L'autre ne l'était pas, même si moi, je m'en foutais, je la mettais sous l'eau. Elle est étanche, donc ça c'est cool. Elle est garantie 4 ans. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'accessoires. Je les utilise pas tous. Parce que moi, vraiment, c'est le crâne que je me rase, la barbe que je taille légèrement. Donc, et les petits détails, le nez, le torse que je me rase. Et les aisselles, bien sûr. Et sinon, pour les mauvais points que j'aurais à donner à cette tondeuse, c'est déjà d'une qu'il n'y a pas de socle de rangement. Parce que dans mon autre tondeuse que j'avais, j'avais un socle, tout simplement. Et moi, j'aime bien, je suis quand même un peu maniaque. J'aime bien ranger les trucs. Et le truc, c'est que dans l'autre tondeuse, j'avais un socle de rangement. Et voilà, ça, c'était joli, quoi. Alors que là, ils ont une housse de rangement. Donc voilà, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette tondeuse. Elle fait pas trop de bruit. Elle coupe très bien. En même temps, elle est toute neuve. Donc voilà, maintenant, à voir sur la durée. Mais sinon, c'est une très bonne tondeuse. Vu que c'est une tondeuse pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Multifonction. Donc c'est nickel. Je vous mets de toute façon le lien de la tondeuse. Parce que je me rappelle plus, 50-60 euros à l'été. Donc voilà, voilà. En plus, là, ça sera bientôt les soldes. Donc je pense qu'ils vont la solder. Donc ça serait peut-être une bonne idée d'y aller si vous cherchez une tondeuse. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de liker, partager, commenter et abonne-toi. Allez, peace!